Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 13 de Drame 2 où on s'était quitté la dernière fois, comme d'hab, hein, en fait on avait fini les souterrains du château et là on a foutu l'œil là-dedans, mais bon ça sert à rien, mais bon, on sait pas pourquoi, mais on l'a fait. Donc on se barre d'ici, il y a un zonzon qui râle, je sais pas où il est, ah bah il est là. C'est toi qui me casse la tête depuis tout à l'heure. Et on repart sur l'aventure, puisque tout ça on a fait. On va prendre notre cheval, on va retraverser le pont. Donc là on a fait la quête, en fait la quête, si on peut appeler ça une quête. Je sais pas, le gars il voulait des émeraudes, compte faire le truc, mais bon, ça n'a pas servi à grand chose. Bref. Ok, faut essayer de me barrer d'ici, ça doit être en face je pense. Par où qu'on se barre? C'est pas ici? Non, c'est pas là. On va essayer de trouver, pardon, la sortie, je crois que c'est de l'autre côté. Ah ben non, on était descendu par une trappe. Oui, voilà, ça y est. Donc, la trappe est là quelque part, là en haut. En même temps, il doit y avoir de la cobble, une tour de cobble. Parce que ces conneries trappe là. Ah bah elle est là. Mais pourquoi il n'y a pas de tour de cobble? Ah si elle est là. Ok, si c'est ça. Ok, on y retourne. Oh putain, il pleut. Ouais, c'est ça. J'étais remonté là. On est attendu. C'est bien ce que je disais. On a attendu. Oh putain, oui, on a attendu les amis. Ouh là là. Lolo. Allez, barrez-vous, il y a mon cheval là à côté. Tu n'es pas mon cheval, hein, je vous l'avais dit. Oh, hé, lâchez-moi maintenant. Oh là, winch. Winwitch. Alors, on récupère un peu tout le bordel. On récupère Dracheval. Et on s'en va. Par où? Alors, on a fait par là. On a fait ce gros château là la dernière fois. On va aller par là. Hein? Allez, hop, par là. C'est quoi ça? Où c'est un creeper? On va contourner un peu la forêt. Il y a des méchants, mais on s'en fout. Ça, on a fait. J'espère qu'on va pouvoir trouver un endroit calme. Allez, explorer. Allez, on fonce un petit peu aujourd'hui. Le moulin, on l'avait vu. On l'avait vu ça? Oui. Oh putain, faudrait traverser la forêt. Ou alors on va au sud. Allez au sud, tiens. Non, parce que à cheval, c'est un peu chiant. Ah, il y a des ânes là. Je crois que le moulin, on l'avait fait. Hein. Oula, l'Underman, il speed. Il y a du monde, on va speeder aussi nous. Ouais, parce que traverser une forêt à cheval, ça va être tendu. Oh, il y a de la mossy cobble là. Cobble. Mossy cobble. Oh là là, ouais, il y a trop de monde ici. Alors, il faudrait qu'on trouve un endroit pour roupiller. Du coup, on découvre un petit peu la map. Il y avait quoi de beau ici? Oh putain de forêt. Où est-ce qu'on pourrait les roupiller? Là, on dirait qu'il y a un petit truc là, on va jeter un oeil là. Il y a l'air d'avoir un petit passage là. Là, il y a l'air d'avoir un passage par ici. Ok, il y a Stone Age ici. Donc ce qu'on va faire rapido, c'est que hop, on va essayer de prendre son lit. Essayer de dormir. C'est très low speed. Te barre pas Dracheval. Mon cheval intrépide. Ok, nickel. Hop, hop. Et donc, là-dessus. Moi, j'aime bien un petit peu creuser, voir un petit peu ce qu'il y a là. Moi, il y a de l'eau. Et je vais tomber dedans, évidemment. Hop, hop, hop. Bon, il n'y a que dalle. Ok, bref, on récupère les chevals. J'ai récupéré la laisse. Ouais.
Et donc, on va visionner un peu où est-ce qu'on va aller. Là, il n'y avait rien en fait, c'est une espèce de Stone Age. Donc, ça on a fait, ça on a fait. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être y aller à cheval, ça va être tendu, je pense. Faut traverser à pied. Hein. Parce que les forêts à cheval. Voilà, on aurait pu aller vers le nord. Je vais essayer d'aller. Ouais, de contourner le truc. Ok, je vais attacher mon cheval. Par contre, faut que je. Bah, c'est simple. Lui. Bah, je vais le mettre à Stone Age, comme ça je m'en rappellerai. J'appelle ça Stone Age, moi. Ma barrière que j'avais prise tout à l'heure. Écoute, on va te laisser là, mon copain. Désolé, mais j'ai pas trop le choix. Parce que. Voilà, t'as de quoi boire, t'as de quoi manger. On reviendra, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, voilà, nickel, ça on s'en fout, ok, on va y arriver, allez, donc je disais, j'allais contourner un peu par le nord, pour voir ce qui se passe par ici, oups, pardon, bonjour, enchanté, voilà, je m'enfonce un peu dans la forêt, pour voir un peu ce qui se passe par ici. Voir s'il n'y a pas un petit château à découvrir. Voilà, il y a des ruines là-bas. Ok, allez, on va être droit. On va bouffer un petit coup quand même. Là. Ouais, côte, 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 côte. Ah, c'est très la forêt. Ah, des vaches. J'ai besoin de peau. Ouais, vous faites au-dessus du cochon tant qu'on y est. Ok. C'est tellement. C'est grand, il y a. C'est grand, il y a toujours des trucs à. Des trucs surprenants sur cette map. J'adore Dramo. Alors ici, je suppose qu'il faut creuser. Il doit y avoir des trucs, puisque des ruines, il n'y a pas. Un coffre là-haut? Non, c'est de la terre. La pierre un peu particulière. J'ai pas trop envie de creuser au pif. Ça a l'air d'être des ruines. On n'entend pas de monstres. Bizarre. Encore des ruines ici. Bon, y a rien là, on dirait. On est où là? Ouais, ah, ouais, d'accord. Ouais, oui, ok. Bah, je peux pas creuser là parce que allez, y a un petit truc là. Ce que ça, on va tout droit, on dirait. On va aller tout droit. On va pas creuser tout le sous-sol. Hein. Voilà, là, il y a l'air d'avoir un truc un peu plus grand. Ok, c'est des anciennes, c'est des ruines quoi. C'est joli, hein. C'est bien foutu. Franchement, peut-être là quand même un petit peu. Allez, ouais, non, là ça me faudrait vraiment un coup de bol pour tomber dessus. Pour tomber sur quoi? Je ne sais pas, sur des coffres. Il n'y en a pas là-haut, je pense pas. Ou alors, il y a peut-être un truc qui nous indique, mais je ne sais pas. Bref, alors regardons. Ah, bah, il y a encore un village. Non, il y avait ça là, hop, par là. On va passer là. Ah bah voilà. Ouh, il y a quoi là-haut? C'est bizarre. Hein, j'ai assez de blocs, 8, pas terrible. On va essayer de grimper là-haut, voir. Ah mais encore une là-bas. C'est des anciens ponts. Allez. Essayez d'aller voir un peu ce qu'il y a là-haut, au cas où. Des blocs. Ah, plus de blocs. Et... J'aime bien fouiller. Il n'y a rien, mais on a une belle. Ok. Donc en fait, c'est un ancien pont qui s'est écroulé là, si je comprends bien. Alors peut-être faut le suivre. Ouais, je pense qu'il faut le suivre pour aller par là. Je sais pas, ou alors c'est un ancien château. Enfin, c'est des ruines. Un aqueduc. Du temps des Romains. Ok, je redescends. Je redescends. Ok, je redescends. Par ici. Je récupère ma pierre en même temps.
Et donc, là, c'est des fleurs. On sait jamais au pied de la queue. Oh, non, allez. Au nord, disais-je, on va suivre ces piliers là. C'est de voir où ça mène. Encore des ruines. Bizarre qu'il n'y ait pas un truc qui m'indique où serait, soi-disant, enfin, une entrée possible d'un donjon souterrain. Qu'est-ce qui pourrait faire l'entrée? Ici, hein. Là. Ouais, on entend du bruit. Ouhou! En plus, il y a de l'eau, on va sauter dans l'eau. Et puis. On va faire le fou, le fifou. Yep. Bonjour. Oh putain, où est-ce qu'on est encore arrivé, les amis? Oups, là, hop, hop. Vite, pas crever. Remontage. Touc. Torchage. Planquage. Virage de mob spawner. Yeah. Ok. Waouh. Ah ben, ça va encore nous occuper un moment, cette histoire. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose ici. Il y a toujours quelque chose dans Dramo. Ah ben là, y a... Oh putain! Il y a des pistons! Ouais, trop bien, trop important! Il y a des boutons! Wow, qu'est-ce que je vais faire avec des boutons? Ok, je regarderai après. Wow, où est-ce qu'on est encore? Ok, il y a eux là. Il y a surtout les mob spawners. Là-bas, on va se les faire. Tout en éclairant un peu. C'est bien, c'est pratique là. La grande pioche. La grande pioche, oui, pelle, pioche. Non, ça c'est un bloc. Allez, on va éclairer un petit peu, on va faire le tour, rapidos. Oh putain. Merci, j'avais pas senti venir celui-là. Oh, putain, barre-toi, toi. Alors, je vais éclairer avant et on va faire le tour. On va faire le tour, je vais dire. On va d'abord éclairer. Ah, il y avait un endroit pour entrer. Que j'avais pas vu en fait. D'accord. Ok, bah fallait le deviner, hein. Bien. Allez, on descend. Allez, allez. Ouais, moi j'ai sauté, mais bon. Voilà, on va se mettre au calme, on va virer tout ça. Et on va regarder un peu les coffres après. Faisons le tour. Joli sol. Bravo, bravo au créateur de la map. Je sais plus son nom. Nah. Hop là. Bon. Allez, c'est parti, coffre. Alors, il y a un CD, je ne sais pas pourquoi faire. Et ça, c'est des rosiers. On s'en fout, on marquait quand même qu'on l'a fait. Voilà. Est-ce qu'il y a un étage intermédiaire? On dirait pas. Hein. Ensuite, dans ce fameux coffre, peut-être des trucs au milieu après. Alors, ici, il y a plein de conneries. Dont. Côtelette de porc, je m'en fous. Ça, ça, je m'en fous. Pourquoi il y aurait une porte en fer? Qu'est-ce que je. Ah, des graines. Non, pastèque, non. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans en fait. Alors on va trier. Ça je m'en fous, ça je m'en fous. On va prendre l'XP. De la régène, bon. Ouais, ok. Pff, jukebox. Ah, en même temps on a récupéré un CD. Ça veut peut-être dire quelque chose. J'ai un levier, un bouton, une porte. Ça veut dire quoi? Un piston, de la redstone. Va falloir faire une porte quelque part. Peut-être pas, non, je vois pas pourquoi on ferait une porte. Qu'est-ce qu'il a ce bloc là? Il est fou? Bah, regardez le bloc, il a pété un câble. Ok.
On va ranger, pardon. On va ranger ça, ça, ça. Ok, ça on va le garder. Jukebox et un CD, pourquoi faire? À moins qu'il soit tagué particulièrement. Non, c'est le C418. Je vois pas trop l'intérêt de ça, des hoopers. Des leviers. Bon, peut-être des leviers s'il y a des portes spécifiques à ouvrir. Bon, je vois pas. Allez, on continue de faire le tour. Du coup, j'ai récupéré mes blocs. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de tout ça. Donc, il y avait d'autres coffres, hein, je pense. Là. Encore un CD. Pourquoi pas? Ça, c'est d'où on descend. Bon. Une petite bouboule d'XP. Là, il n'y a que dalle. Hein. Là, on est à l'opposé. Alors, je sais pas, symbolique de la porte. Je sais pas, je reste perplexe. Si vous savez, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait cette map. Oh putain. Évidemment, je tombe, mais c'était pas prévu. Je voulais pas tomber. Non, dans les grottes, je fais plus parce que il y a trop de grottes. Ok, je remonte. Je remonte. Laissez-moi remonter de là. Bon, on sait qu'il y a une grotte. Et on sait qu'il y a une grotte en dessous. Ah, comme partout quoi. Bon, je crois qu'il n'y avait pas tant de coffres que ça. Non, on va aller au milieu hein, puisqu'en fait on n'y est pas allé. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir au milieu de beau, à part ce coffre là qu'on a fait. Il a l'air d'avoir des, je sais pas. Pas d'où tout ça, ça doit être de... Ok. C'est des ruines, il n'y a pas grand chose. Il y a des poules, hein, comme d'hab. Donc on va peut-être se faire le souterrain. Ouais, puisque là on est dehors, quoi. On est dehors. Bon. Eh ben, on va redescendre dans le souterrain, hein. J'ai rêvé ou j'ai... Non, j'ai rêvé. Je croyais avoir vu une witch. Là, il y a de la mossy. Ah ouais, c'est là, l'entrée. Ok, bon, allez. On va descendre. Ah, ben, il y a encore un zombie. Bonjour. Au revoir. Ah, regardez. Pourquoi il y a ça, là? Non, il n'y a que dalle. Allez, hop, on va remonter là. Bon, on va redescendre par où, je ne sais pas. Par où j'étais descendu, moi. Tant pis. Allez, grimpe-toi. Allez, tant pis, on va se casser les jambes, mais... Ah, évidemment, c'est pas là. Et merde, j'ai pas noté les coordonnées pour savoir où j'étais descendu tout à l'heure. Là, on était dans une grotte. Je vais retrouver ma grotte. Ouais, du charbon, du fer. Bon, ouais, c'est pas grave.
T'es pas là. Putain, mais j'étais. On mettra plus lui. Putain, mais où est-ce qu'on était descendu, les amis? Je ne sais plus. Ah oui, à l'opposé, là. Voilà, nickel. Entre guillemets. Bon, on va se refaire un petit peu de grotte. Pour finir l'épisode. Bon, combien il reste? Ouais, ça va, il reste 1 minute. Je vais regarder ce qu'il y a dedans, si c'est encore une caverne troll où il y a que dalle. Comme certains épisodes où je me balade dans des grottes et il n'y a que dalle, je diffuserai pas. Enfin, je couperai quoi au montage. Voilà, donc là c'est peut-être là où je suis remonté tout à l'heure, j'en sais rien. De toute façon, on va finir l'épisode là-dessus. Moi, je vais visiter hors caméra cette grotte. S'il y a quelque chose, je filmerai pour le proche, pour l'épisode 14, mais sinon. Sinon, je ne diffuserai pas. Enfin, sinon, voilà quoi. Vous avez compris. Il y a du monde, mais il n'y a que dalle. Bon, bah écoutez, les amis, on va se quitter là. Moi, je vais visiter cette grotte. On va voir s'il y a quelque chose ou pas. Ça m'étonnerait parce que souvent, il n'y a rien dans ces grottes. Dans ces cavernes, souvent, il n'y a rien. Bah écoutez, on se sera plutôt bien baladé aujourd'hui. Hein, on aurait fait du cheval. Là, là, tata, des sortes de la montagne ou à cheval. Et puis voilà. Allez, hop, F5, F1, F5, touk, 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 touk. Je suis dans ma tombe, on dirait. Dans mon caveau. Allez, les amis, je vous laisse. J'espère que l'épisode vous a plu. C'était l'épisode 13 de Dramo 2. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis, bah, soyez polis dans les commentaires. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, bah, dites-le gentiment. Allez, à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.